marchait dans les ténèbres. Ça y est, la flamme de l'évangile sur les nations. Opération 7 jours d'évangélisation. Non-stop, 7 jours d'évangile sans frontières, du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024. Organisé par le groupe international d'évangélisation, Jésus revient pour sonner de la trompette de repentance dans les marchés, les ghettos, les feux tricolores, les places publiques et autres. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, a dit le Seigneur dans Joël 2, verset 1. Il s'agit d'un méga campagne de 7 jours d'évangélisation non-stop sur toute la terre, comme l'a ordonné le Seigneur, et toutes les églises et cellules et soldats de Jésus revient dans le monde entier sont invités à participer massivement à ce rendez-vous de grande moisson des âmes pour le royaume des cieux. Voilà, bien-aimé, voilà, ça c'est notre frère Dean. Quand on a commencé par parler, quand il nous a vu, quand on l'a abordé, il fumait la cigarette, mais en même temps, il a jeté la cigarette. Tous les pays couverts par le groupe Jésus revient, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Congo-Brazzaville, Libéria, la Guinée, le Tchad, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, Haïti, la Martinique et autres sont surtout concernés. Il y aura des sorties d'évangélisation et des grands moments de croisade, couronnés par des moments d'intercession et de délivrance et prières de guérison pour les âmes en difficulté. Il est temps d'élever le nom de Jésus-Christ sur les nations, proclamer la seigneurie du roi des rois, le seigneur des seigneurs, le véritable, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.